Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à une émotion, le chagrin, la tristesse. Émotion qu'il est tout à fait normal d'éprouver, en particulier dans certaines circonstances douloureuses, mais que nous n'avons pas besoin de laisser grandir au-delà du supportable et au-delà du temps nécessaire à notre expression de l'émotion. Et pour nous y aider, nous allons nous intéresser à leur point d'ancrage qui se trouve les poumons. Installons-nous donc sur le bord de la chaise ou alors allongés et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Cherchons à prendre conscience de notre souffle à l'intérieur du corps, les yeux fermés. Et promenons notre regard intérieur jusqu'au bout des pieds, jusqu'au sommet de la tête, jusque dans les plis du corps, jusqu'à l'arrière du corps, jusque dans le dos, jusqu'au-dessus de notre corps. Cherchons à monter nos yeux, notre regard en direction du haut du crâne. Détendons le crâne et imaginons une sorte de grand canal argenté, doré. Un canal qui va nous amener par l'intention jusque à l'étoile polaire. Et permettons à son rayon de redescendre jusqu'à l'intérieur de nous. Imaginons. Visualisons, aidons-nous par tous ces moyens. Utilisons le souffle aussi, en aspirant le rayon de l'étoile pour le faire descendre bien au milieu du crâne et traverser notre corps jusqu'à ce que nous sentions qu'il descend jusque dans la terre. Dans la terre, il va descendre ce rayon jusqu'au centre de la terre. La pulsation de l'étoile polaire et celle de notre planète se répondent. Et s'unissent et remontent dans notre corps jusqu'au cœur. À partir de notre cœur détendu, saluons les huit immortels et d'autres grands êtres, si nous les aimons, avec le cœur, donc avec une amitié vraie, une gratitude, si on peut. Et puis relions-nous à ceux qui étaient avant, ceux qui seront après, qu'il s'agisse de nos lignées ou qu'il s'agisse de gens qui nous correspondent. Et aussi, bien sûr, relions-nous avec tous ceux qui vivent en même temps que nous ou qui ont vécu. Et enfin, relions-nous à tous nos âges, de ceux dont on ne se souvient pas jusqu'à ceux qu'on ne connaît pas. Et très tranquillement, détachons nos mains et posons-les sur les poumons. C'est-à-dire, on va les poser sous les côtes. En gros, les côtes protègent essentiellement les poumons et le cœur. Donc on pose nos mains où nous voulons sur les poumons et nous regardons si ça bouge ou pas. En inspirant une belle lumière blanche et tranquille, la langue posée contre le palais par la pointe et tout le reste parfaitement détendu.
Amenons en même temps que le souffle qui pénètre dans nos poumons, déplaçons les mains. Plaçons-les maintenant par exemple sur le haut des poumons pour voir si tout est mobile, si le poumon respire et est vivant dans plusieurs endroits. Et observons donc en suivant le rayon et l'air lumineux qui pénètre dans nos poumons, observons dans quelle humeur ils sont. Peut-être que nous avons un gros chagrin, un chagrin ponctuel ou un chagrin installé, un souvenir qui nous colle. Et à l'intérieur de nos poumons, il n'y a pas que le chagrin, il y a cette tristesse, on peut ajouter le désespoir ou la désespérance, on peut ajouter l'asthénie, l'abattement, la dépression profonde ou moins profonde. Tout ce qui fait comme un poids sur nos poumons et nous empêche de respirer allègrement l'air, comme on voit sur les publicités en haut des montagnes, pour boire de l'eau minérale, par exemple. Et là, on sent que le poumon se déploie sur ces photos. Et qu'avec, il y a l'enthousiasme de la vie, et parfois, nous en sommes loin. Donc, commençons par nous reconnaître comme attristés. Puis, on va laisser descendre nos mains l'une contre l'autre, l'une avec en relation avec l'autre, en se faisant face l'une l'autre. Et amenons notre regard intérieur en tournant le regard, de façon à ce que nous puissions suivre l'air jusque dans les poumons. Et commençons à sentir que l'air est chargé aussi d'énergie. Nous pouvons imaginer une couleur blanche. Demandez une couleur comme le violet, qui est celle qui comporte toutes les couleurs. Un violet très doux qui va nous aider à nous consoler. Et si on n'a pas la vision des couleurs, on peut simplement respirer d'une douceur, comme une caresse très douce qui va déplier doucement les alvéoles. Lentement, respirons lentement, en sentant que nous amenons la consolation de l'univers, que nous amenons la douceur de notre cœur, et que nous allons remplir nos poumons de ce sourire bienveillant de consolation. Quand une maman voit un enfant qui tombe et qui se fait mal, par exemple, elle n'a souvent rien de plus pressé que d'aller le consoler. Et ensuite, lorsqu'elle l'a bien consolé, l'enfant va jouer. Eh bien, on dit que la mère terrestre, la Pachamama, est l'amour de l'univers, parce qu'un père fera la même chose. Et donc la partie yang de l'univers aussi n'aime pas nous voir pleurer. Eh bien, on dit que ce que l'on va respirer va aussi être chargé comme des parents humains, mais encore mieux et de façon beaucoup plus infinie et plus consciente, va venir nous guérir en prenant soin de nos poumons. Donc, connectons-nous bien avec la consolation. Peut-être que ce n'est pas une couleur qui va nous venir, mais une image de quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime, ou alors une image sacrée. L'important, c'est de pouvoir l'inviter à venir avec notre regard qui va tourner dans nos poumons, à consoler. Et pour ça, il faut décrocher la tristesse.
Donc on va regarder à droite, à gauche, à l'intérieur de nos poumons, en zigzag, d'avant, d'arrière ou en spirale, en bougeant bien nos yeux à l'intérieur de leurs orbites, derrière les paupières. Comme si vraiment on tenait un manche à balai avec le balai qui serait très gentiment dans nos poumons. Et l'origine du balai est dans notre regard qui se déplace. Et donc on peut se parler et s'avouer notre tristesse, l'accepter, notre chagrin. Le reconnaître et en même temps reconnaître notre besoin d'être hors d'eau, si je peux dire, de ne pas nous noyer dans la tristesse et demander à toutes les concrétions, toutes les choses qui ne sont pas fluides dans nos poumons, les alvéoles qui ne s'ouvrent pas, les bronchites qui traînent, l'asthme. Tout ce qui existe, même sur le plan physique, on demande à ce que ça s'en aille, parce que le câlin spiralant que nous sommes en train de faire en descendant et en montant, c'est comme une maman terrestre, ça veut dire à la fois c'est très consolant, mais en même temps ça va mettre un peu de mercure au chrome, et puis ça va dire bah, retourne jouer. Donc c'est pas une consolation sirupeuse. Les poumons n'aiment pas le sirop. On va remonter et en remontant, imaginons que nous allons faire sortir par notre souffle, par tous les côtés de notre corps qui sont en face, qui couvrent les poumons, le dos, le devant, les côtés. On va faire sortir et par le nez aussi, on va faire sortir des fumées noires profondément lourdes qui vont descendre nourrir la terre. Et donc on enlève ça très doucement, hein, comme un enfant, par exemple, qui va se laisser enlever des petits cailloux si c'est bien écorché par terre, mais pas si on va le brosser brutalement. Il ne va pas du tout être d'accord. Si jamais on faisait ça, l'enfant se rétracterait. Et ça serait exactement la même chose pour nos poumons. Donc il faut qu'on y aille très doucement. Donc mettons-nous bien à l'intérieur de nos deux poumons et commençons le son. Toujours en bougeant les yeux. On peut, si on est assis, se balancer de droite à gauche. Et vérifions bien que nous sommes capables de, comme fermer le parapluie de nos côtes, parce que ce n'est pas parce qu'on y va gentiment et doucement qu'on n'y va pas complètement. On va jusqu'au bout de l'expiration. Ayons vraiment la ferme intention de laisser partir tout ce qui est contraire à la vie, pour nous, à notre existence. Quand une chose est finie, elle est finie. Quand quelqu'un s'en va, il est parti. On ne peut rien contre la mort ni contre les départs. Donc, c'est bien de nous consoler. Installons-nous maintenant sur l'avant de notre front et imaginons que nous allons entrer à l'intérieur de notre front et de notre cerveau avec un petit soleil ou un joli paysage ou cette image d'accompagnement que nous avons choisie et que nous allons commencer à nettoyer les brumes de la tristesse qu'amène trop d'accablement dans les neurones, dans les synapses, dans les hémisphères cérébraux. Et donc, soit nous allons faire deux petites spirales, une par hémisphère, soit on va choisir d'englober les deux dans une grande spirale en vérifiant que nous sommes capables de couvrir tout le champ du cerveau. Donc, ça descend jusque sur le palais.
Et ça va à l'arrière, ça descend un peu plus jusqu'à l'occiput. Vérifions bien que nous sommes capables de bouger nos yeux et de continuer à tournoyer à l'intérieur gentiment, sans oublier des espaces, et en continuant le son. Demandons un nettoyage de notre cerveau, demandons à pouvoir récupérer le courage et l'enthousiasme de la vie. Et de cette façon, demandons à ce que tous les automatismes de tristesse, toutes les léthargies qui sont installées dans notre cerveau, soient enlevées gentiment, avec le son, avec le regard, avec une intention claire. On va dans un sens, on va dans l'autre. Si nous n'avons pas envie de tournoyer, nous pouvons imaginer comme une aspiration droite. Jusqu'à ce qu'on sente qu'on a parcouru l'espace de nos deux hémisphères. Et qu'ils sont plus détendus, plus joyeux. On peut même, si on veut, imaginer que nous allons non seulement dans notre corps, mais tout autour. Depuis l'avant du front jusqu'à l'arrière de la tête et sur les côtés, pour nettoyer notre aura. Ensuite, on va reprendre le contact avec l'ensemble, les poumons et le haut du corps, en particulier le cerveau, les narines, tout le système respiratoire, et on va ouvrir nos mains. Invitons l'amour de l'univers, invitons le blanc brillant des pics neigeux. Et en ce moment, il n'y a pas toujours besoin d'aller jusqu'au pic neigeux. Et remplissons nos mains de cette puissance. Nous pouvons aussi inviter le tigre blanc, qui est l'animal totem dont la vibration est très bénéfique à nos poumons, l'animal totem des poumons. Lorsque nous sentons que nous inspirons et que nous commençons à sentir comme un poids dans les mains, comme un léger picotement, comme une plus grande conscience du bout de nos doigts, chargeons-les de redynamiser nos poumons. Demandons à l'univers que ce blanc, même si on ne le voit pas, vienne s'installer dans les poumons. Rapprochons les mains des poumons. Et les seins comptent avec. Et donc, on va simplement se bercer un petit peu et demander à nos mains d'entrer en conversation avec nos poumons en souriant d'une façon peut-être plus marquée pour montrer que nous avons confiance dans le programme originel de nos poumons, qui est le courage, l'enthousiasme de la vie. Et la capacité d'élimination, c'est pour ça que le poumon, continuons hein, pendant que je vous raconte, continuons à nourrir nos poumons. Et donc, je vous disais que l'organe secondaire des poumons, c'est l'organe éliminatoire par excellence, c'est le gros intestin. Et donc, le courage de l'élimination, eh bien, c'est aussi le courage d'éliminer tout ce qui nous enfermerait dans cette tristesse, tout ce qu'il y aurait d'excessif dans cette tristesse. Et on soutient nos poumons, on les aide. On peut aussi faire appel à l'élément du poumon qui est le métal. Le métal pour faire des armes, bien sûr, et aussi des bijoux. Sourions, amenons la force, l'enthousiasme de vie. Rappelons nos poumons à leur programme originel. Et on va déposer maintenant nos mains, l'une contre l'autre, ou sur notre corps, ou sur le sol, si on est allongé. Et
Inspirons très volontairement, mais profondément, le plus profondément possible, en sentant que le bas des poumons descend et que nous le remplissons jusqu'en haut, à l'avant, à l'arrière, par le nez. Inspirons cette belle lumière blanche et demandons-lui de se répandre dans tous nos poumons et même autour, pourquoi pas. Avec l'enthousiasme de vivre, la gratitude, le courage, la détermination de vivre et la détermination d'être dans la joie de l'existence, quand bien même on aurait de la peine. Il ne s'agit pas de tout chasser, mais de se donner les moyens de la transmutation. Et on expire avec le son si on veut, et sinon on expire avec la bouche arrondie, tout ce que nous venons encore de... ce que nous avons encore à chasser et que notre inspiration est allée visiter. Encore une fois, on inspire la joie et dans nos poumons, offrons-leur de l'air pur. Et si nous sommes dans un endroit pollué, imaginons-nous dans un endroit, l'air pur, la campagne, la mer, la montagne. Gardons notre regard vers l'intérieur pour que nos poumons se sentent aimés, accompagnés. Expirons. Et laissons maintenant toute la lumière, même à l'expire, se répandre, continuer à se répandre dans les poumons et tout autour de nous. Prenons conscience que notre tristesse, notre abattement a déjà changé. Et demeurons dans cette paix le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.